Non, c'est pas conflictuel, c'est même c'est complémentaire, on va dire que c'est la même chose, c'est comme si c'était la mère et le fils, hein, moi je dirais. C'est-à-dire que la médecine chinoise est, comment dire, enfin, est forte de son expérience de plus de 2000 ans, la naturopathie est une approche un peu plus, comment dire, plus occidentale, mais c'est la même base, sauf que c'est du coup, on va dire qu'il y en a un qui est un peu plus jeune, et puis du coup, plus jeune et moins d'expérience, voilà. Je dirais ça de la naturopathie, ce qui est déjà très 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 bien pour soigner des maux, etc. La naturopathie, on va faire ça en fonction de ce qu'on connaît, des plantes qu'on connaît en Occident, etc. Alors que du coup, la médecine chinoise va utiliser aussi plus au niveau des saveurs, de la cuisine. Mais c'est à peu près la même chose.